Salut la communauté, les likers et les haters, toujours bienvenue effectivement sur ma chaîne YouTube. Encore une semaine où nous sommes mi-décembre et on va reparler du reconfinement, en espérant que non, de l'évolution de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble, figurez-vous. Et je remercie tous les gens qui me suivent, tous les gens qui me mettent des messages sympas, en tout cas respectueux, ceux qui sont aussi critiques mais productif et intelligent, merci à vous aussi. Et puis fuck writer, quoi, voilà. Mais je les remercie quand même pour tous les likes. En tout cas, pardon, toutes les vues qu'ils font sur ma chaîne, ça m'aide beaucoup, figurez-vous. Donc, détestez-moi. Allez, on va commencer sur l'évolution de toute cette situation, le reconfinement. Donc, je précise que j'ai tourné cette vidéo mi-novembre et qu'effectivement, des choses d'ici un mois auront bougé et seront donc vérifiables. Bon, on arrive à une fin de quelque chose, figurez-vous. La paix et Oméga. Oméga, c'est la finalité. Donc, on arrive à évoluer vers quelque chose, visiblement, qui s'arrange pour les Français, pour les gens qui en ont marre d'être enfermés comme des esclaves, dans leurs maisons ou leurs appartements, qui sont fatigués de mesures stupides et débiles, et des commerçants, des indépendants qui ferment, bien sûr. Donc, visiblement, une lueur d'espoir vous attend et nous attend. Reconfinement, évolution, qu'est-ce qu'on va dire? Donc pour le moment, bah, l'isolement, hein, donc au moment peut-être où je vous parle, c'est peut-être ça qui ressort, hein, donc peut-être pas une prolongation, mais couvre-feu, enfin une espèce de simili, toujours une privation de liberté certaine. Le pardon, on a à droite, donc ça nous indique quand même qu'on va arrêter ce cinéma. On a la réussite à la tête, la protection, et la carte Nadir, donc on va recouvrir Nadir et la paix. Bon, moi je vous dirais qu'en gros, jusqu'à janvier, on va faire un confinement light, on va trouver une espèce d'hybride dans cette folie. Donc en l'occurrence, vous allez être déconfiné, et ça vous pourrez le vérifier, puisque comme je dis, j'ai tourné mi-novembre, donc en l'occurrence, nous ne sommes pas encore à ce moment-là. La date qui a été annoncée par le président de la République me semble être respectée, mais avec un simili de choses, voilà, confinement à moitié, couvre-feu, enfin vous allez être dans une situation où vous n'aurez pas, vous n'allez pas récupérer toutes vos libertés pour les fêtes. Ça c'est sûr et certain. Moi je vois un déblocage sur le mois de janvier. Comme je l'ai déjà indiqué sur d'autres vidéos, moi je vois qu'on va pouvoir avoir un vaccin qui fonctionnera, mais qui sera à retardement, en tout cas sur les livraisons ou la validation, peu importe, mais vous n'aurez pas le vaccin immédiatement. Donc on va avoir certaines libertés qui sont privées, c'est-à-dire que le coup du gel, le coup de se laver les mains, ce qui est normal, moi je le pratique déjà avant même les sortes de confinement, parce que je suis quelqu'un de propre, ce qui semble encore une aberration de devoir demander aux gens de se laver les mains. Mais bref, le gel, le masque, je pense qu'on en a encore jusqu'à l'été 2021, ce genre de mesures, ce qu'ils appellent bêtement des mesures barrières, comme si qu'un virus on lui met une barrière, en l'occurrence, sont utiles, nécessaires et pour moi vont perdurer je pense jusqu'à fin du printemps voire début de l'été avec un déconfinement qui là pour le coup sera très très lent. Voilà, donc pour moi pas grand chose à rajouter de plus que je viens de vous dire, un déconfinement très light, très progressif qui se fera et pas quelque chose d'un coup. Voilà, donc préparez-vous à ça. Les commerces pour moi vont réouvrir, les petits commerces, c'est ce que je vois. Et sur ce, portez-vous bien et laissez-moi vos commentaires en commentaire, c'est le cas de le dire. Expliquez-moi un petit peu ce que vous, vous vivez, comment vous vivez ça, qu'est-ce qui est compliqué pour vous et surtout les questions. Parce qu'à un moment donné, je n'en peux plus de faire des questions sur le Covid, sous tous ses aspects, c'est peu importe, c'est aussi chiant que possible. Donc si vous souhaitez qu'on parle d'autre chose, et de choses positives ou pas d'ailleurs, mais en tout cas d'autres choses, vous n'hésitez pas à évidemment me laisser un message là en dessous dans les commentaires. À bientôt et protégez-vous, faites attention à vous, à bientôt.